On va exposer quelques idées essentielles sur Staline et la période de Staline en Union soviétique. On va essayer de le faire pendant en moins d'une heure et ça doit servir au débat dans les cellules ouvrières et dans les autres unités de l'organisation. Je vais en grand aborder deux parties et je vais introduire le tout en disant ou en me référant à aux dissidents bien connus en Occident, vivant en Allemagne, qui s'appelle Alexandre Zinoviev, qui, lorsqu'il était jeune, en 1937 et 39, a préparé avec quelques camarades un attentat contre Staline et qui a été en prison pour ça, et qui, après avoir vu toute la dégénérescence en Union soviétique et la restauration du capitalisme sauvage, a dit l'année passée, quand je parcours toute l'histoire de la Russie de ce siècle, je dois dire que Staline a été le plus grand génie politique du XXe siècle. C'était assez étonnant dans la bouche d'un homme qui a fait carrière comme anticommuniste. Dans un premier point, je veux aborder, disons sous un angle idéologique, la question de Staline, comme on dit, telle qu'elle est soulevée depuis une quarantaine d'années. La première chose que je veux dire, c'est que quand on voit la lutte de classe et quand on voit les luttes idéologiques au niveau international, il faut dire clairement et fermement que Staline et son œuvre représentent la classe ouvrière, représentent les forces révolutionnaires, représente les forces anti-impérialistes. L'attitude envers Staline est toujours une attitude de classe. Et il n'y a probablement aucune autre question idéologique qui exprime plus clairement la position de classe véritable des différentes forces qui se présentent sur la scène mondiale. Chez nous, dès qu'on est petit, on est éduqué dans la vérité que Staline était le dictateur, le terroriste, le criminel, et vous pouvez y aller, tout est permis. La première chose que je veux dire en écoutant tout ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte que tous les révolutionnaires et tous les mouvements révolutionnaires, dans toute l'histoire, ont été traités exactement avec les mêmes termes par les classes réactionnaires. Vous pouvez commencer par la Révolution française, la façon dont la terreur de la Révolution française a été traitée. Vous avez mot par mot ce que, de façon courante maintenant, on nous jette à la tête à propos de Staline. Vous pouvez prendre la Commune de Paris. Vous avez exactement la même chose. Donc ça commence par Marx. Et dans l'exposition ici, il y a un tableau assez intéressant à ce propos. Donc vous avez ici quelqu'un avec une hache pour couper la tête aux gens qui se trouvent liquidés ici. Les maisons sont en flammes et normalement vous attendez de voir Staline ici, mais vous voyez le vieux Marx. Donc c'est un dessin anticommuniste et antisocialiste belge. Ce qui m'intéresse, c'est de souligner que depuis Marx, vous avez les mêmes accusations de dictature, de Tout ce que vous avez entendu sur Staline, vous l'avez sur Marx, vous l'avez sur Lénine. Le premier qui a été appelé par la réaction, le tsar rouge, en 1924-25, déjà, c'était Lénine. Quand vous voyez un pays comme le nôtre, où la campagne anticommuniste a battu le plus fort au cours des années 30, comme la Belgique est un pays assez catholique, on a eu un déferlement d'anticommunisme lors de la guerre d'Espagne. Et donc la révolution espagnole, la défense de la République espagnole, qui était attaquée par les fascistes, a été traitée exactement dans les mêmes termes qu'on traite de nos jours, à toutes les heures de la journée, Staline. Donc vous avez ici la guerre d'Espagne, donc c'est Staline qui met le feu à toute l'Europe,
qui tue les femmes, qui tue les enfants, qui tue les prêtres, les religieuses, comme vous voyez sur un autre dessin. Voilà pour les femmes et les enfants. Staline qui dit, voilà comme je suis, moi pour la non-intervention. Il s'agit de l'Espagne. Donc où les fascistes ont fait une insurrection soutenue par les fascistes espagnols, les fascistes espagnols soutenus par les hitlériens et les fascistes italiens. Mais donc c'est Staline qui intervient pour tuer femmes et enfants. Quand le nazisme s'est dressé en Allemagne, le point essentiel de sa propagande pendant toute la période hitlérienne, ce n'était pas du tout contre les juifs. Les juifs, c'était l'antisémitisme était un aspect important, mais l'aspect le plus important, vous pouvez le voir dans Mein Kampf, vous pouvez le voir dans toute la propagande allemande, c'est l'anticommunisme. Et donc vous avez là, c'est par Staline, vous avez le bolchevisme. D'ailleurs, c'était le bolchevisme qui était la terreur jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le stalinisme ne naît qu'en 1944, à la fin de la guerre. Mais donc c'est la mort, c'est des bombes, on brûle les villes, les maisons, on pend les gens. Donc, les 30 millions de morts que vous connaissez de Staline. Il y a une chose intéressante à dire à propos des 30 millions de morts. En pleine campagne anticommuniste, il y a quelques années, Brzezinski a écrit un grand livre anticommuniste, bien connu. Et donc là, il dit que maintenant, on peut tenir pour certain que Staline a tué 30 millions de personnes en Union soviétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où le chiffre des 30 millions de morts est surgi. Et comment il a été utilisé. Il y a peu de gens qui le sachent. Les 30 millions de morts de Staline, on les trouve ici. Donc c'est le Bible du nazisme qui a été écrit par Hitler en prison en 25-26. Et donc là, il parle des 30 millions de gens tués de façon barbare par le bolchevisme. Or en 25, Staline n'a toujours rien fait de particulier. Les graves événements qu'il y a eu en Union soviétique à ce moment-là, c'est la guerre civile. Et on sait que dans la guerre civile, il y a eu 8-9 millions de morts à cause des interventions étrangères. Mais donc, les 30 millions de morts affreusement massacrés par le bolchevisme, ça a commencé par Mein Kampf et ça n'a pas cessé jusqu'en 1989 avec la grande campagne anticommuniste. Brzezinski, il est toujours là avec les 30 millions. Et donc comment les gens sont conditionnés contre le socialisme, contre le communisme, contre la révolution, ça s'exprime très bien dans cet exemple, où les nazis ont été l'avant-garde de toutes les forces bourgeoises et opportunistes. Je veux ajouter que quand on voit l'histoire de ce siècle, et on voit tous les pays du monde, tous les impérialistes, tous les bourgeois, tous les fascistes, tous les impérialistes se sont toujours acharnés contre Staline. C'est un phénomène assez intéressant à voir. Et surtout pour les gens qui commencent à militer pour la révolution, c'est un point extrêmement intéressant sur lequel il faut réfléchir. Comment ça se fait que tous les réactionnaires, tous les pires, s'acharnent avant tout contre Staline? Le point, c'est qu'il ne s'agit pas tellement de Staline. Il s'agit du marxisme-léninisme, il s'agit de la révolution qui a été incarnée dans les dernières périodes, les dernières dizaines d'années par Staline. Et donc, la guerre antifasciste, c'est Staline qui dirige les terroristes en Belgique et en France. Donc vous avez ici des terroristes avec une cagoule, ce sont des résistants. Mais donc ils sont manipulés par Staline, et pour être plus précis, par le judéo-bolchevisme. Parce que vous avez le juif de service, et donc c'est Staline qui incarne ce que le judaïsme
a de pire. Donc il y a l'idée du judéo-bolchevisme dans lequel c'est Staline qui est le maître. Et je veux souligner ici un autre point. La bourgeoisie, elle mène la guerre par différents moyens contre la classe ouvrière et contre les pays du tiers-monde. Or, depuis les nazis, la doctrine de guerre de la bourgeoisie, ça a été repris par toutes les bourgeoisies, est devenue assez complexe et sophistiquée. Dans tous les manuels, vous pouvez lire que la guerre politique et psychologique est déjà partie constituante de la guerre. Et que la guerre armée se prépare dans toutes les périodes de paix par la guerre politique et la guerre psychologique. Or, la guerre que la bourgeoisie prépare, c'est la guerre essentiellement contre la classe ouvrière. Et donc cette guerre, elle amène par des moyens plus ou moins pacifiques, par des flics, par des contrôles, par l'espionnage, par l'expulsion des révolutionnaires. Mais donc elle prépare psychologiquement et politiquement la guerre militaire. Alors, quand vous vous demandez, ils ont des milliers de spécialistes qui ne font que ça, préparer la guerre psychologique et la guerre politique. Mais de quoi est-ce qu'ils s'occupent? Eh bien, ils s'occupent de faire la propagande anti-staliniste, c'est-à-dire la propagande anticommuniste. C'est le nœud de toute la propagande, de toute la guerre politique et psychologique. Et c'était déjà le cas pour la bourgeoisie du temps de Hitler. Parce que Hitler, quand vous voyez l'occupation, Hitler, il a mobilisé surtout sur deux thèmes. Un, le danger du bolchevisme. Et deux, le terrorisme. Parce que les partisans en Belgique, dans la presse sous l'occupation, ce sont les terroristes. Alors, les deux mécanismes de la guerre politique et psychologique sous les nazis sont toujours là aujourd'hui. Donc, on conditionne les gens contre le stalinisme, contre le terrorisme. Le dernier exemple, c'est l'assassinat de Chris Hani, le dirigeant du Parti communiste de l'Afrique du Sud. Donc lui était un homme avec des positions anti-impérialistes conséquentes, ou plus ou moins conséquentes, contrairement à Mandela, qui est un opportuniste achevé. Alors quand on a assassiné Chris Hani, ça a été accompagné par une campagne contre Chris Hani de vicious Stalinist, un staliniste vicieux, et le chef des terroristes, parce que lui avait dirigé l'armée de l'ANC. Donc c'était sous Hitler, mais c'est encore aujourd'hui dans toutes les campagnes anti-révolutionnaires dans le monde. Et dans cette introduction, je veux souligner maintenant un dernier point. Ce que l'antistalinisme signifie réellement, donc son caractère de classe. Laissons de côté tous les bavardages, tous les mots de gauche qui sont utilisés pour faire de l'antistalinisme. Donc quand on voit le véritable caractère de classe, je pense qu'on peut le voir le plus clairement dans ce qui s'est passé en Union soviétique les 5 dernières années. Donc Staline, il est mort depuis des dizaines d'années. Khrouchtchev qui est venu a démoli toute son œuvre. Il a démoli toutes les positions idéologiques et politiques de Staline. Brezhnev a continué, Gorbatchev a achevé le travail. Donc ça fait 35 ans qu'ils font une campagne anti-Staline, soi-disant au nom du retour au léninisme. Ils allaient améliorer le communisme. Alors, quand vous voyez la propagande chez nous, en 89, donc à la télévision, chaque soir, il y avait la portion d'anticommunisme. Or, dans le mouvement anticommuniste qui a détruit ce qui restait de souvenirs au communisme en Union soviétique, on a vu s'unir tous les courants opportunistes. Tous les courants qui sont dans le fond anticommuniste, qui s'unissent sur l'anticommunisme. Vous avez vu les sociodémocrates, bien sûr tous les révisionnistes, tous les sectes trotskistes, les écologistes, tous. Et la manifestation la plus claire de ceci, c'était au Parlement belge, au moment des événements de la Roumanie. Ils ont voté une motion pour condamner le communisme et le totalitarisme communiste.
Et donc, ça a été un vote à l'unanimité. Et alors, Annemans du Vlaams Blok s'est levé pour faire un commentaire sur le vote, et il a dit, je félicite tous les parlementaires, mais je veux tirer quand même votre attention sur le fait que il y a 30 ans, on était les seuls à défendre ces positions. Et donc, pour une fois, le fasciste avait raison. Les fascistes, dans le domaine de l'anticommunisme, de l'antistalinisme, ont été l'avant-garde, et on peut voir, dans cette campagne anticommuniste qui a liquidé tout ce qui restait de socialisme en Union soviétique, ils ont rallié tous les opportunistes et toutes les forces bourgeoises et petites bourgeoises. Et ça n'a pas duré 2-3 ans avant que le véritable caractère de classe de toute cette démagogie qu'on a eue à ce moment soit clair. Donc on a eu les trotskistes qui ont dit qu'avec le renversement du stalinisme, la démocratie socialiste allait se développer. Les trotskistes disaient en Belgique, on dit qu'en Tchécoslovaquie, on assistait à comment ils appellent ça, la révolution antibureaucratique. Et donc ça n'a pas duré 2 ans pour que même pour un aveugle, même pour un imbécile, c'est clair ce que leur propagande signifiait d'un point de vue de classe. Donc en quelques années, qu'est-ce qu'on a eu ? En 89, la bourgeoisie disait en Union soviétique, c'est la crise, sous Gorbatchev, c'est la crise, parce que la croissance économique n'est que de 1%. Alors 1%, c'est une situation intenable. C'est la crise. On a renversé ce qui restait, on a introduit le capitalisme, et en 4 ans, la production a augmenté de moins 50%. Mais donc maintenant, ce n'est pas un problème. On avance dans la voie des réformes et de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, chute de la production, la moitié de toute la production industrielle a été détruite. À la BBC, j'ai entendu il y a 2 mois une émission, et le correspondant à Moscou disait « Il faut bien constater que toutes les entreprises qui marchent à l'heure actuelle sont dirigées par la mafia. » Disait ça comme ça. Et la BBC, c'est l'avant-garde dans la propagande anticommuniste. Ils ont été ça pendant toute la période avant le renversement. Aujourd'hui, en Union soviétique, en ex-Union soviétique, 80% de la population est au-dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de Yeltsin lui-même. C'est presque impossible pour les gens de faire des enfants. Donc l'Union soviétique est le seul pays industriel au monde où la population est en train de chuter, où il y a plus de morts que de naissances. Et alors on a les guerres civiles un peu partout, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan. Et on a des attentats de la mafia et des tueries de la mafia dans toutes les grandes villes. Il y a au moins déjà 60 000 morts. Et donc c'est une dictature féroce, mafieuse, d'une nouvelle bourgeoisie qui est absolument barbare. Alors le sens de classe, hein, derrière les mots, la réalité de classe, des intérêts de classe, de la campagne anti-staliniste sont clairs maintenant pour tous ceux qui veulent voir. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui ont intérêt à ne pas voir. Ça aussi, c'est un aspect de la lutte de classe. Alors, dans le deuxième point que je veux survoler, je veux parler des mérites historiques de Staline. Et donc, je veux souligner les points qui, d'après moi, indiquent clairement que Staline est la figure politique qui a eu l'influence la plus grande sur les événements, sur le cours de l'histoire de ce siècle. Et que les réalisations en ce qui concerne le domaine de la construction du socialisme et de la lutte anti-impérialiste sous Staline sont sans pareil dans ce siècle. C'est bien sûr Lénine qui a donné les bases théoriques et politiques et idéologiques de la construction du socialisme en Union soviétique. Mais la réalisation en Union soviétique et dans le monde entier du socialisme et du mouvement pour le socialisme et anti-impérialiste, c'est Staline qui l'a fait. Je veux aborder cela en 10 points.
D'abord, je veux souligner le rôle de Staline dans la guerre civile de 1919-1920 essentiellement, qui a décidé finalement de la victoire de la dictature du prolétariat en Union soviétique. Et d'abord, je veux rappeler que parmi les dirigeants du parti bolchevique, Staline était un des rares qui est resté tout le temps en Russie et qui a toujours mené le combat parmi la population, dans la clandestinité ou dans les prisons. Donc la plupart des dirigeants ont dû fuir à l'étranger. Et beaucoup sont restés presque de 1903, après quelques interruptions en 1905, à l'étranger. Et donc celui qui a eu l'influence et l'impact organisateur le plus grand pour le parti dans le pays, c'était Staline. Dans la Première Guerre mondiale, il a été arrêté, il a été renvoyé en Sibérie. C'était la cinquième fois qu'il avait été arrêté. On sait que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre interimpérialiste, c'est-à-dire de tous les côtés, on battait pour la redivision du monde et on se battait pour avoir plus de colonies. Elle était injuste, cette guerre, des deux côtés. Et dans cette guerre, le peuple qui a le plus souffert est le peuple russe. Ils ont eu 2,5 millions de morts. C'était un peuple qui supportait déjà le poids terrible du tsarisme, qui était le régime le plus réactionnaire et le plus cruel en Europe, et s'y ajoutait la destruction de la guerre et les 2,5 millions morts. C'est ce qui a fait que le tsarisme, qui était quand même devenu assez fragile, a été renversé en février. Mais la bourgeoisie et les sociodémocrates qui ont pris le pouvoir après février ont continué la guerre et ont continué à envoyer les gens dans les massacres. C'est ce qui a donné naissance à la révolution d'octobre, qui, finalement, a coûté très peu de vies humaines. Donc la révolution d'octobre elle-même n'était pas tellement sanglante. L'affaire est devenue sanglante quand tous les tsaristes, tous les bourgeois et tous les sociodémocrates, nos partis socialistes, se sont coalisés et ont envoyé Kerensky à Londres pour demander aux Anglais d'intervenir, ce qu'ils ont fait, bien sûr, de bonne grâce. Ah donc, l'armée anglaise est bien sûr, les Allemands sont venus d'abord, avant la fin de la guerre. Et donc, une fois que les Allemands ont été défaits, c'est les Anglais qui se sont rués sur l'Union soviétique, c'est les Français, c'est les Tchèques, c'est les Japonais, c'est les Américains, c'est les Polonais. Et donc, il y a eu 8 puissances coalisées qui ont essayé de détruire l'Union soviétique naissante. Les bolcheviks sont sortis en octobre, quand la révolution a été réalisée, avec une équipe de 33 000 membres. Donc c'était un parti clandestin de quelques dizaines de milliers de membres. Donc extrêmement petite. Alors si les bolcheviks et leur ligne, leur politique, n'avaient pas l'adhésion de la masse paysanne, ce petit parti devait être balayé. Et donc, si ce petit parti a su gagner, pas seulement contre les tsaristes et la bourgeoisie, mais contre tous les impérialistes coalisés, c'est uniquement parce que sa politique correspondait aux intérêts des ouvriers, de toute façon, mais aussi de la masse des paysans. Et ça a été décidé dans la guerre civile, où les paysans qui n'avaient aucune formation, qui ne savaient ni lire ni écrire, qui n'ont jamais été touchés par des idées socialistes, ont dans la pratique vu qui veut donner la terre aux paysans. Il y a des régions où les paysans ont 5 fois changé de camp. Donc avec les bolcheviks pour avoir la terre, puis campagne anticommuniste, ils sont allés de l'autre côté. Il y a des régions où 5 fois. Mais donc finalement, dans l'ensemble du pays, la masse paysanne a fait son choix. Parce que seul le parti bolchevique défendait les intérêts des paysans et des ouvriers. Alors cette guerre civile a été le facteur décisif pour la construction du socialisme, et je veux souligner là-dedans le rôle important qui a été joué par Staline. À ce moment-là, c'est Trotsky qui était arrivé au parti seulement en 1917, donc le type n'a jamais appartenu au parti bolchevique. Et donc quand la faillite de toutes les fractions opportunistes et menchéviques a été prouvée,
Il ne pouvait plus rien faire d'autre que de rejoindre les bolcheviks. C'est ce qu'il a fait en 17. Et donc, il avait des grands talents d'organisateur. Il a organisé au niveau central l'armée. Mais celui qui a été envoyé par Lénine sur tous les fronts où il y avait des situations catastrophiques, c'était Staline. Et donc, Staline est allé d'un front à l'autre, là où les choses se décidaient dans le domaine militaire. Et donc, c'est aussi dans cette guerre que Staline, comme le seul dirigeant bolchevique, a acquis une expérience militaire sur le terrain, dans les batailles, qui a été extrêmement importante pour le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'après la victoire de la guerre civile, c'est Staline qui a défendu la thèse léniniste de la possibilité de construire le socialisme en Union soviétique, en un seul pays, s'il le fallait. Donc les bolcheviks, Lénine, Staline, ont toujours été des internationalistes et ont toujours eu comme but suprême la révolution mondiale de la classe ouvrière. Et ils espéraient bien sûr que de la Première Guerre mondiale sortiraient des insurrections des ouvriers partout, en Allemagne, en France, en Belgique. Seulement, le cours de l'histoire a été tel que l'insurrection des ouvriers en Allemagne, mal préparée par Liebknecht et Luxembourg, a été écrasée dans le sang. En France et en Belgique, elle n'a pas eu lieu. La bourgeoisie française, anglaise, etc., a essayé d'écraser le socialisme en Union soviétique. Ils ont échoué. Ils ont dû s'en aller. Parce qu'il y avait quand même une effervescence révolutionnaire dans leur propre pays. Alors, quand on est en 1920-21, on est avec cette réalité que le parti de la dictature du prolétariat a pris le pouvoir en Union soviétique seul. Et que partout ailleurs, la grande vague révolutionnaire a déjà pris fin. Il va encore y avoir des luttes, mais c'est juste après la guerre mondiale que les choses étaient les plus dures et qu'une révolution pouvait se faire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Donc, on avait espéré que l'Allemagne fasse la révolution et la France, parce que, évidemment, si un pays moderne développé prend le chemin du socialisme, ce serait plus facile pour un pays arriéré comme la Russie de marcher main dans la main. Cela ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Et donc, c'est là qu'il y a eu un débat qui a duré 5 ans en Union soviétique entre Staline, Boukharine, Kamenev et tous les autres, et Trotsky. Donc Trotsky a défendu la thèse qu'il avait déjà en 1905, que c'est impossible de construire le socialisme dans un seul pays. Que inévitablement, cette révolution devrait échouer, s'effondrer. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'est, comme il disait, porter la révolution en Europe. Donc d'un côté, c'était de l'aventurisme, et de l'autre côté, c'était le pessimisme et le défaitisme et le capitulationnisme. Et alors, les ouvriers, les paysans qui ont souffert, mais qui ont posé des actes héroïques pour défaire le tsarisme et la bourgeoisie, on leur dit, écoute, on est seul, donc, chers amis, c'est dommage, mais ce sera pour la prochaine fois. Parce que cette fois-ci... Et donc, le parti bolchevique a accepté de discuter là-dessus pendant 4-5 ans. Donc, ça a pris beaucoup de force et ça a paralysé beaucoup de ses forces. Et donc, dans ce débat, c'est essentiellement Staline qui a exprimé la confiance dans le parti bolchevique, la confiance dans la classe ouvrière, la confiance aussi dans le léninisme en tant que doctrine de la révolution, en tant que doctrine de la construction du socialisme, et en tant que doctrine qui exprimait, et c'est ce que Lénine a fait dans les deux dernières années de sa vie, qui exprimait la certitude que dans la conjoncture spécifique du monde, on avait tout ce qu'il fallait pour construire le socialisme en Union soviétique. Donc c'est Staline qui a défendu ces idées, qui correspondaient aussi aux besoins des ouvriers et des paysans. Et il l'a fait. Le troisième point que je veux souligner, c'est que c'est Staline qui, en fait, a construit le parti bolchevique en tant que parti de masse.
Donc l'idéologie, la ligne politique, la conception du parti, c'est Lénine qui l'a créée dans la clandestinité et dans les luttes contre le tsarisme. Mais je dis, en 1917, au moment de la révolution, ils sont 33 000 membres, pas plus. Pendant la guerre civile, il y en a 600 000 environ qui entrent. Après la guerre civile, Lénine fait la première épuration. La première épuration, la plus grande, a été organisée par Lénine en 1921. Il a renvoyé 50% des membres. Parce que beaucoup de gens, ils étaient entrés dans le parti bolchevique pour avoir la terre. Donc des jeunes paysans. Mais question de connaissance du communisme ou du marxisme ou même des choses élémentaires, il n'y avait rien. Et donc on a dû faire le tri. Donc ils sont 300 000 quand ils commencent à construire le pays en 1921. Environ 10 années plus tard, 31-32, ils sont 2 500 000. Donc dans les batailles pour construire le pays, pour industrialiser, pour collectiviser, pour faire une révolution culturelle, on a absorbé les jeunes forces de la classe ouvrière et de la paysannerie. 2 500 000. Et alors, ce que je veux dire, c'est que quand on voit les luttes politiques, c'est Staline essentiellement qui a défendu les conceptions, la politique de Lénine, et qui a formé le parti dans ses conceptions. Et donc qui a créé un parti de masse capable d'entraîner toute la classe ouvrière et toute la paysannerie dans une tâche dont presque tout le monde jugeait qu'elle était impossible à réaliser. Ce n'était pas seulement les trotskistes qui disaient que c'était impossible. Ici, en Occident, c'était clair pour tout le monde que cette folie ne pouvait pas durer. Mais donc, grâce à la capacité d'organisation et d'inspiration politique et de formation politique de Staline, l'Union soviétique s'est dotée d'un parti capable de diriger ce processus extrêmement compliqué. Et donc, c'est Staline aussi qui, dans ses jeunes paysans et ouvriers, a inculqué l'esprit de sacrifice, l'esprit de héroïsme aussi dans le travail. Et qui en a fait un parti qui a réellement bouleversé complètement l'Union soviétique, mais aussi complètement bouleversé la situation mondiale. Le quatrième point que je veux souligner, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de propagande bourgeoise dit, Staline a été un grand théoricien. Et donc, il est important de souligner son œuvre théorique. Donc, d'abord, il a défendu avec conséquence et avec précision les bases de l'œuvre de Lénine contre toutes les tendances opportunistes qu'il y a eues, et elles étaient nombreuses dans le parti. Et deux, il a appliqué dans la construction de l'Union soviétique les conceptions léninistes qu'il a défendues. Il y a une défense théorique, mais aussi il y a une application et un développement dans la pratique. Et ce qu'on peut souligner dans l'œuvre de théorique de Lénine, c'est que, de Staline, c'est que contrairement à Lénine, qui écrit souvent pour les groupes intellectuels qui dirigent le mouvement populaire et révolutionnaire, ce qui donne des œuvres parfois très compliquées à comprendre, parce qu'il y a des discussions très, très sophistiquées. Donc, Staline est dans une autre situation. Il dirige le pays, il construit un pays de masse, et il doit éduquer les millions d'ouvriers simples et de paysans qui savent juste écrire et lire. Et donc, ce qui a comme conséquence que ses œuvres ont une très grande qualité pédagogique. C'est-à-dire, vous pouvez faire le test. Donc, beaucoup d'ouvriers qui, chez nous, ils vont plus facilement comprendre les textes de Staline. Et donc, c'est pour ça que des textes comme « Les principes du léninisme », c'est son cours sur le léninisme qu'il a donné à l'université Sverdlov en 24. Donc, ça s'appelle « Les principes des principes du léninisme ». C'est très court, mais c'est absolument brillant. Parce que tu as presque l'ensemble de l'œuvre de Lénine dont il sort l'essentiel et il le rend compréhensible pour un ouvrier. Vous pouvez encore l'étudier aujourd'hui avec des ouvriers. Et alors le deuxième livre qui a eu une importance décisive pour la construction du parti bolchevique de l'Union soviétique, mais aussi pour tous les communistes du monde,
Il a été étudié pendant la résistance contre les fascistes au Vietnam, en Chine, en Yougoslavie, en Albanie, en Belgique, en France. C'est l'histoire du parti communiste bolchevique qui a été rédigée sous la direction de Staline en 1938. Et donc, ça aussi, c'est un modèle de clarté. Il cerne très bien les points essentiels de toutes les discussions qu'il y a eu entre Lénine et les opportunistes. Et donc, moi, je pense que ces deux ouvrages, ensemble avec le manifeste du Parti communiste et l'État et la révolution de Lénine, ce sont les quatre livres qui sont à la portée d'un ouvrier et qui peuvent et qui doivent constituer la base de la conscientisation communiste encore de nos jours. Le cinquième point que je veux développer, c'est que Staline a réalisé la tâche jugée impossible qui était l'industrialisation de l'Union soviétique. En 1921, l'Union soviétique sort d'une guerre mondiale et d'une guerre civile, 7 années de guerre ininterrompue qui ont ravagé presque tout le pays. Presque tout était détruit. Il n'y avait presque plus d'usines debout. Et c'était déjà un pays arriéré avant la guerre. Alors, Staline a redressé l'économie et a alors lancé en 1928 le premier plan quinquennal au monde grâce à la conception d'une économie planifiée et grâce à l'héroïsme au travail, à l'esprit de sacrifice de la classe ouvrière. C'était les deux force essentielle sur laquelle on a réalisé le miracle de l'industrialisation. C'est l'économie planifiée et c'est l'esprit révolutionnaire, l'esprit héroïque au travail de la classe ouvrière. Quand le plan quinquennal commence, le premier en 1928, l'Union soviétique réserve 14% de son revenu national à l'accumulation. Donc, de tout le revenu national, 14% sont utilisés pour créer essentiellement de nouvelles entreprises, des chemins de fer, etc. On commence le premier plan quinquennal avec une certitude. Si l'Union soviétique ne mène pas, en une période de 10 à 15 années, l'industrialisation complète du pays, qui le rend capable de mener la lutte dans le domaine économique avec les pays impérialistes les plus avancés, si on n'est pas en mesure de faire ce miracle, on sera écrasé. Et donc les ouvriers sont éduqués et les paysans dans cet esprit-là. La guerre qu'ils ont menée en 20 jusqu'à 21, les interventionnistes, ils l'ont cessé de façon contrainte. Mais ils reviendront dès que l'occasion se présente. Il y a eu des crises entre l'Union soviétique et l'Angleterre en 1927. Il faut savoir que les Japonais attaquent la Chine et sont à la frontière soviétique en 1931. Et donc cette idée que le temps est très limité était à la naissance du premier plan quinquennal. Alors, le revenu national a été réservé à 44% à l'accumulation. Et donc, l'Union soviétique et Staline disaient aux ouvriers qu'il faut faire des sacrifices, qu'il n'y a que ça si on veut survivre. Et si on veut créer une base matérielle sur laquelle les conditions de vie et d'habitation des ouvriers et des paysans peuvent s'améliorer par après. Et donc, l'effort qu'on a demandé pour créer leur parti, leur industrie, dans laquelle les ouvriers étaient les maîtres, cet effort a été fait de façon consciente. Et dans une gigantesque campagne d'éducation et de formation. Donc les bourgeois et toutes les opportunistes, ils vous diront à longueur de journée que les ouvriers ont souffert, que Staline a imposé des conditions impossibles, etc., que ce n'est pas la dictature du prolétariat parce que les ouvriers ont souffert. Donc tous les contre-révolutionnaires, ils se préoccupent terriblement du sort des ouvriers dans ce cas-ci. Donc les bolcheviks savaient bien. Ils ne pouvaient pas exploiter des colonies. Ils ne pouvaient pas se baser sur des capitaux d'autres pays impérialistes. Or, ce sont les deux sources de tout le développement de n'importe quel pays capitaliste qui était arrivé au stade de pays capitaliste développé. C'était l'exploitation féroce des colonies et c'est emprunter des capitaux d'une autre puissance impérialiste. Donc, cette voie était coupée.
Et donc, si l'Union soviétique voulait, en un laps de temps très court, réaliser son industrialisation, il fallait que les ouvriers et les paysans fassent les sacrifices eux-mêmes. Il n'y avait personne d'autre. Ils l'ont fait, ils savaient pourquoi. Mais la bourgeoisie va parler du sort terrible de la classe ouvrière. C'est intéressant de faire maintenant une comparaison avec ce qui se passe maintenant en Union soviétique. Entre 90 et 94, les salaires en Union soviétique ont chuté de 60%. Donc les ouvriers ont fait des sacrifices terribles. Ne parlons pas de licenciements, hein. Il y en a à peu près 20 millions d'après les estimations. Donc en Union soviétique, les ouvriers ont fait des sacrifices. Mais c'était des sacrifices pour créer leur État indépendant et leur industrie. Les sacrifices que la bourgeoisie et l'impérialisme imposent aux ouvriers soviétiques aujourd'hui ont eu comme conséquence que la production chute de 50%. Donc on ne construit pas le pays, on le détruit. Le pays ne devient pas indépendant, il devient dépendant de l'impérialisme américain et allemand. Parce que c'est eux qui ont pris pour un prix de rien les meilleurs secteurs. Mais donc maintenant, la bourgeoisie ne se préoccupe pas extraordinairement du sort des ouvriers comme elle le faisait sous Staline. L'industrialisation, deux chiffres à retenir pour avoir une idée de quoi on parle. En 1920, Lénine a fait le plan de l'électrification du pays. Donc vous connaissez la formule de Lénine, le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification. C'est-à-dire des moyens de production modernes. Et donc, il a fait un plan pour électrifier, un plan de 15 ans. Et en 35, le plan est fait en 20, il espérait avoir une puissance de 1 750 000 kilowatts. Donc, ça, c'était la planification. Alors, ce plan a été réalisé par Staline en 1935 à 230%. Donc, un plan qui en Occident était tenu pour impossible à réaliser a été réalisé plus que deux fois, à 230%. Autre chiffre qui exprime l'effort extraordinaire des travailleurs, mais aussi la réussite extraordinaire dans le domaine économique du socialisme sous Staline. La production industrielle a augmenté en moyenne par an entre 30 et 40 de 16,5%. Donc c'était le plus grand chiffre, c'était un chiffre d'ailleurs jamais réalisé au monde. Et c'était dans une situation où l'impérialisme était en crise et où la production chutait en Allemagne, la crise de 29 qui a duré jusque 32 et dont on est sorti en préparant la guerre. Voilà pour ce qui concerne l'industrialisation. On va y revenir quand on parle de la guerre. Le sixième point que je veux indiquer comme mérite historique de Staline, c'est d'avoir réalisé la collectivisation. Et ça, c'était probablement la tâche la plus dure. La paysannerie, donc la plupart d'entre nous, quand on dit paysan, ça ne nous dit rien parce qu'il n'y en a plus en Belgique. Et donc c'est difficile pour nous d'imaginer ce qu'était l'Union soviétique en 1920-1925. C'était un pays qui, pour ce qui concerne les conditions techniques et matérielles à la campagne, vivait comme la Belgique et la France aux années 1500. Donc les techniques étaient au niveau des techniques utilisées par nos paysans sous la domination espagnole. L'analphabétisme était général. Il régnait une idéologie moyenâgeuse. Dans les villages, on brûlait encore les sorcières. Donc, c'était les croyances les plus abrutissantes. Et c'est avec cette masse paysanne qu'il fallait construire le socialisme. La révolution socialiste a donné la terre aux paysans. Chaque paysan a reçu un part égal de la terre. Mais il produisait et il vendait. Donc, c'était le petit commerce. On n'avait pas d'autre possibilité. Ça s'appelle la nouvelle économie politique.
Mais donc, il dit commerce libre, il dit qu'il y a des gens qui vont se ruiner, il y a d'autres qui vont s'enrichir. Il y a des gens qui ont beaucoup de malades dans la maison qui doivent emprunter. Il y en a qui ont peu de force de travail, il y en a d'autres qui ont beaucoup de force de travail. Bref, en 1927, il y a à nouveau 7% de paysans qui n'ont plus rien, qui sont des paysans sans terre. Il y a 35% de paysans pauvres, c'est-à-dire des paysans qui n'ont ni cheval, ni charrue. Et donc qui survivent à peine et qui doivent se louer à des paysans riches. Vous avez 50, 51, 52% de paysans moyens, c'est-à-dire des gens qui s'en sortent tout juste. Et vous avez à nouveau 7% de paysans riches qui peuvent engager 2-3 ouvriers, qui ont des chevaux, qui peuvent élargir leur terre. Bref, vous avez une polarisation spontanée, comme c'est normal dans une économie où il y a le marché libre, une polarisation entre riches et pauvres, entre prolétaires et exploiteurs. Cette Union soviétique voulait s'industrialiser, elle prépare le premier plan quinquennal. Mais si tu veux industrialiser, tu veux faire venir quelques millions de travailleurs en plus dans les villes, il faut les nourrir. Donc il fallait une plus haute productivité de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut avoir une plus haute productivité à l'agriculture? Il faut de toute façon introduire des machines, des engrais, donc des moyens de production modernes. Qui va les introduire? La tendance spontanée, c'était que les 7% de paysans riches achètent un tracteur. Et ça se passait déjà. Il y avait quelques centaines de paysans qui étaient venus assez riches pour acheter un tracteur. Mais donc, ça, c'était l'accélération du processus où les riches accumuleraient très vite et où la masse de la paysannerie se ruinerait. Et si l'agriculture, l'océan dans lequel baignaient les villes, était tenu par une bourgeoisie agricole, c'est clair que le socialisme ne durerait pas dans les villes. Que l'encerclement de cette masse réactionnaire qui dirige la paysannerie, les paysans riches, vont renverser le pouvoir dans les villes. Donc il n'y avait qu'une deuxième voie pour introduire une modernisation de l'agriculture, c'était de pousser les paysans pauvres et moyens à se coaliser, à se regrouper et leur donner les moyens techniques modernes, tracteurs, etc. Ça, c'était le processus de collectivisation et de la création de kolkhoz. Le parti a impulsé ce processus. Mais donc, en 27, il n'y a que 4% environ de paysans qui sont dans des kolkhoz et des sovkhoz. Donc, c'est un processus qui démarre lentement parce que la conscience des paysans n'est pas très développée. Or, vers 1929, les kolkhoz réalisent environ 7% de la production, autant que les koulaks, que les paysans riches. Et donc, on commence à avoir assez de production collective pour pouvoir engager le combat pour l'élimination des domaines et de l'exploitation capitaliste koulak. Et le parti décide de s'engager dans cette voie, de limiter d'abord et ensuite d'éliminer les paysans riches. Donc c'est l'offensive de la collectivisation qui démarre pour de bon en 29. En général, chez nous, on dit que la collectivisation a été imposée par la force, par Staline, le dictateur, etc., et que les paysans n'en voulaient pas. Avec quoi est-ce que le pauvre Staline aurait imposé sa collectivisation? À la campagne, le parti bolchevique n'avait presque pas de force. Donc il y avait 350 000 membres du parti sur une population de 120 millions de paysans. Donc l'encadrement des communistes par le Parti communiste à la campagne était très très réduite. Il y avait 3 communistes sur 1000 paysans. Mais plus, à la campagne, presque tout le monde qui savait lire et écrire pouvait facilement entrer dans le parti, parce qu'on manquait de tout. Et donc celui qui avait été à l'école, il pouvait parler quelques paroles marxistes et il entrait. C'était très facile.
Et donc, il y avait beaucoup de koulaks, d'anciens gendarmes, d'anciens fonctionnaires du régime tsariste qui se reconvertissaient en deux, trois mouvements en bolchevique. Donc, pas seulement le parti était faible du point de vue numérique, mais aussi du point de vue de la conscience. Alors, le parti a envoyé des dizaines de milliers, et même plusieurs centaines de milliers, d'ouvriers, de gens de la ville, des jeunes de l'armée rouge qui avaient eu une formation communiste, à la campagne pour aider le mouvement de la collectivisation. Et donc, eux, ils ont encadré les paysans pauvres, surtout, et les paysans moyens, pour que le mouvement kolkhozien démarre réellement. Et si la masse de la paysannerie n'était pas consciente des enjeux, jamais le parti bolchevique aurait pu réaliser la collectivisation. Ce que je veux dire, c'est que les masses des paysans pauvres et des paysans moyens, ils voyaient bien l'évolution. Et donc, ils savaient qu'ils étaient en train de retomber sous la dictature de la bourgeoisie rurale. Et donc, s'ils voulaient se développer, s'ils voulaient être libres, s'ils voulaient être dirigeants du pays, il fallait le combattre et il fallait s'unir. Et les luttes de classe à la campagne en Russie, qui ont duré des siècles et des siècles, où il y a eu chaque fois des insurrections, des jacqueries, de la paysannerie poussée au bout, cette tradition était dans les têtes des gens. Chaque fois, on a lutté, on s'est fait massacrer. Et donc, cette fois-ci, cette lutte séculaire a connu un nouveau cycle. Mais maintenant, les paysans pauvres et moyens, ils avaient de leur côté l'armée, ils avaient de leur côté l'État, ils avaient de leur côté le parti. Et c'est essentiellement la force de la masse qui a permis aux bolcheviques et au socialisme de vaincre la classe des koulaks, qui pouvait encore s'appuyer sur toutes les traditions rétrogrades, réactionnaires, orthodoxes, cléricales, qui vivaient à la campagne. Point suivant, une fois que la mobilisation commençait à se faire et que les koulaks savaient qu'ils vont faire la collectivisation, s'est déclenchée une véritable guerre civile. Les koulaks, ils savaient que c'était la lutte finale. Et donc, ils ont tout fait pour complètement bousiller le système. Ils ont mené la guerre, et une guerre d'extermination, d'abord aux chevaux, aux bœufs et aux moutons, et à tout ce qui avait quatre pattes. Donc, ils disaient, la collectivisation ne peut réussir que si les chevaux sont utilisés collectivement. Le terre était travaillé avec des chevaux et des bœufs. Les chevaux et des bœufs étaient essentiellement aux mains des paysans riches et des paysans moyens. Les riches ont dit aux moyens, ils vont vous prendre tout, vos animaux et vos femmes. Et donc, l'idéologie réactionnaire étant encore bien enracinée, il y a pas mal de paysans moyens qui les ont suivis. Et donc, il y a eu un abattage monstre de chevaux, de bœufs et du reste. La moitié des chevaux ont été exterminés. Mais ça veut dire que la moitié de la force de travail pour travailler la terre était détruite. Mais donc, ils voulaient que tout soit détruit, parce qu'alors les bolcheviks tomberaient. Ça, c'était leur calcul. Donc, c'était une lutte sauvage. Et donc, le parti bolchevique a été en mesure de mobiliser les masses pauvres et les masses moyennes pour, dans une lutte ouverte et parfois féroce, défaire les koulaks. C'est ce qu'on appelle la découlakisation. En général, on décrit les horreurs, qu'on a exterminé les koulaks comme on a exterminé les juifs. Ça, c'est la propagande que les nazis ont commencé après leur défaite, que la CIA et les Américains ont repris. Donc, quand on voit la découlakisation, elle a commencé de façon spontanée par les paysans qui s'en sont pris aux koulaks. Et donc, le parti a très vite mis de l'ordre et on fait des catégories dans les koulaks. C'était seulement les koulaks qui avaient entrepris des actions contre-révolutionnaires ouvertes, qui pouvaient perdre tous leurs terres et tous leurs avoirs et être enfermés dans des camps. Ils étaient 63 000. La deuxième catégorie comprenait 150 000 familles d'anciennes propriétés foncières et de paysans riches qui étaient politiquement actifs, mais pas ouvertement contre-révolutionnaires. Et la grande masse des koulaks, entre 400 000 et 800 000,
ne perdaient pas toutes ces terres, ni tous ces avoirs, et on leur donnait de la terre dans le district où ils étaient, c'est-à-dire ils n'étaient pas déportés dans des régions lointaines. C'était une bataille gigantesque, mais en 2-3 ans, la question de la terre et le problème agraire a été réglé, pour de bon. Et donc quand on voit l'histoire, donc on peut discuter sur les chiffres. Conquest, qui est un ancien agent de service secret britannique et qui est maintenant le plus grand spécialiste de l'anticommunisme au monde, c'est le plus grand académicien, qui est d'ailleurs cité dans toutes les organisations bourgeoises, petites bourgeoises, trotskistes ou autres. Vous avez, par exemple, un truc qui me revient à l'esprit, en 89, hein, en pleine campagne anticommuniste, les trotskistes de la bande de Mandel ont fait un spécial sur l'Union soviétique et le titre, c'était « Qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre la nature du stalinisme ?» Ils ont cité deux auteurs, Conquest et Solzhenitsyn. Alors, 2 mois plus tard, le Vlaams Blok, dans son journal, ils ont un mensuel, ils ont fait un petit article, ils ont dit que maintenant la nature du communisme est claire pour n'importe qui au monde, depuis les œuvres révélateurs de Conquest et de Solzhenitsyn. Donc lui, il a dit qu'il y a eu 3 millions de morts pendant la découlakisation. Entre-temps, les chiffres officiels des gens qui ont été expropriés, qui ont été renvoyés en Sibérie, ont été publiés jusqu'au dernier homme, parce que tous ont été enregistrés. Et donc on peut maintenant calculer, donc il y a un journal français qui a repris les œuvres des historiens soviétiques sous Yeltsin, donc on peut calculer qu'il y a eu dans tout le mouvement, tout le bouleversement de 2-3 ans, entre 200 000 et maximum 300 000 morts par la lutte ouverte et par la famine et par les conditions hygiéniques dans tout le pays, parfois très, très déplorables. Mais donc il faut voir le matraquage qu'on subit sur la collectivisation. Donc c'était une lutte de classe ouverte et féroce et elle a décidé de l'issue de la question agraire qui était en lutte depuis des siècles et qui a demandé des millions de morts, sans aucun résultat, avec tous les soulèvements. Mais donc, cette lutte a produit un tout nouveau système de l'agriculture, qui a permis à l'Union soviétique de s'industrialiser, et même de se nourrir contre le fascisme, en pleine guerre. L'Union soviétique a été capable de moderniser son agriculture en moins de 8 ans. En 1929, donc c'est-à-dire au moment où la collectivisation commence, il y a en Union soviétique 18 000 tracteurs. En 1941, quand la guerre débute, il y en a 685 000. Donc ça fait une production de 660 000 tracteurs. Donc il n'y a aucun pays qui a industrialiser, moderniser son agriculture à un tel rythme. Ce qui a nourri les villes et qui a donné une base pour nourrir la population contre les fascistes. La septième réalisation de Staline que je veux brièvement souligner, c'est la révolution culturelle. Il y avait l'industrialisation, il y a la collectivisation, mais ça allait de pair avec une révolution culturelle. J'ai dit, c'est un pays d'analphabètes. Et donc, en 10 ans, ce pays a été tiré du Moyen-Âge pour entrer dans le monde moderne et pour produire des techniciens, des intellectuels, des techniques, des machines, des armes qui étaient capables d'affronter la puissance la plus avancée en Europe, l'Allemagne hitlérienne. Donc il faut savoir que en 1929, à la campagne, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de téléphone. Et donc, le temps moderne, en 10 ans, s'est implanté dans toute la campagne. Ce sont des efforts gigantesques. Presque l'ensemble de la paysannerie a été alphabétisée. Les bibliothèques, pour la première fois, ont été disséminées sur toute la campagne. Dans les bibliothèques, il y avait, au début de la construction, il y avait 46 millions de livres. Au début de la guerre, il y en avait 527 millions. Donc, ils ont produit presque 500 millions de livres pendant cette période.
Il y avait, au début de la construction, il y avait 110 étudiants à l'université. Quand la guerre commence, ils sont 810 000. Donc de 110 000 à 810 000. Une multiplication d'environ 7. Donc ce sont quelques chiffres pour illustrer l'effort gigantesque, mais il s'est fait sur tous les domaines de l'instruction et de la culture, et aussi des arts. Et on peut dire que c'est la collectivisation et cette révolution culturelle dont le type que j'ai cité dans mon introduction parle dans un livre qu'il a écrit contre le communisme, et donc il explique tout ce qu'il a à dire contre le communisme, mais à un certain moment il parle de son village. Étudiant, il est rentré à son village et il dit ceci. Lors de mes retours au village, et aussi bien plus tard, je demandais souvent à ma mère et aux autres colchosiens s'ils auraient accepté de reprendre une exploitation individuelle au cas où cette possibilité leur était offerte. Maintenant, tout le monde s'attend à un oui unanime. D'après ce qu'on connaît de la collectivisation. S'ils auraient accepté de reprendre une exploitation individuelle au cas où la possibilité leur était offerte, tous me répondirent par un refus catégorique. Et plus loin, il dit, l'école du village ne comptait que 7 classes, mais elle servait de passerelle vers les écoles techniques de la région qui formaient des vétérinaires, des agronomes, des mécaniciens, des conducteurs de tracteurs, des comptables. Plus loin, il y avait une école secondaire. Tous ces établissements et ces professions étaient des éléments d'une révolution culturelle sans précédent. La collectivisation avait contribué directement à ce bouleversement. La structure de la population rurale se rapprocha de celle de la société urbaine, tout ça en 10 ans. Je fus témoin de cette évolution dès mon enfance. Cette transformation extrêmement rapide de la société rurale fournit au nouveau système un soutien colossal dans les larges masses de la population. Ça, c'est un anticommuniste qui le dit dans un livre qu'il a publié en Allemagne à la fin des années 80. Le 8e point que je veux aborder, la 8e mérite de Staline dans l'histoire, c'est l'organisation des épurations qui ont créé les conditions de la victoire dans la guerre antifasciste. La guerre avec le fascisme était dans l'air, tout le monde savait qu'il viendrait depuis la moitié des années 30. Donc Staline avait très bien lu Mein Kampf. Et donc, il savait que pour les Allemands, le Lebensraum était à l'est. Et que cette guerre viendrait, c'était une certitude. Alors, Staline savait aussi que ce serait une lutte à vie et à mort. Que ce serait la guerre la plus terrible que l'humanité a jamais vue. Et à mesure que la tension montait et que cette guerre s'approchait, on voyait aussi toutes les forces anticommunistes se coaliser. Et donc c'est ce qu'on a vu se produire en Union soviétique, dans la société et dans le parti. Les opportunistes, les contre-révolutionnaires infiltrés dans le parti, les éléments dégénérés se sont coalisés contre la direction bolchevique. Et donc c'est dans ce contexte que les épurations de 37-38 ont été réalisées et qui ont réussi à éliminer en Union soviétique la 5e colonne, c'est-à-dire les forces sur lesquelles l'occupation nazie future comptait s'appuyer. Pour comprendre l'épuration, il faut avoir en tête certaines choses, certaines notions essentielles. Donc d'abord, il faut rappeler que cette Union soviétique est un pays féodal quand il s'engage dans la révolution socialiste. Mais donc les forces du tsarisme sont toujours très, très influentes. La religion orthodoxe est toujours influente. La bourgeoisie qui a été défaite est toujours là. La social-démocratie qui a soutenu la bourgeoisie dans la guerre civile est là.
Les koulaks qui ont été matés sont toujours là. Et donc, ces forces font une pression politique et idéologique sur les structures de l'État et sur le parti. C'était de toute façon les forces instruites avant. Alors, qu'est-ce qu'on a vu se produire dans le parti? Je vais brièvement énumérer quatre phénomènes. D'abord, l'influence de la social-démocratie dans le parti bolchevique a toujours été importante. Il faut savoir qu'entre 1903 et 1912, bolcheviques et mencheviques cohabitaient plus ou moins dans le même parti. Il y avait des scissions, ils y revenaient, etc. Et donc l'influence des idées mencheviques réformistes s'introduisait aussi dans la fraction bolchevique du parti. Au moment de la révolution d'octobre, il y a deux des chefs les plus éminents du parti bolchevique qui prennent en fait le chemin des mencheviques, c'est Zinoviev et Kamenev, qui trahissent et qui disent à la presse bourgeoise, à la presse menchevique, que Lénine et les autres fous veulent faire une insurrection le 25 octobre. Donc ils étaient tellement opposés à la révolution qu'ils ont jugé utile de dire dans la presse menchevique que le fou allait prendre le pouvoir. Donc l'influence social-démocrate existait dans le parti depuis ce moment. Un autre exemple, il y a un type qui s'appelle Georges Solomon. Il était vice-ministre du commerce et de l'industrie en 17. Donc c'était un bolchevique depuis 1903. C'est ce qu'on appelle un vieux bolchevique. Or, en 17 et 18, il trouve que Lénine exagère et que son idée de faire le socialisme dans un pays arriéré agricole est du non-marxisme. Que c'est de l'aventurisme de vouloir éliminer la bourgeoisie. Et donc, lui, il dit, la bourgeoisie a encore un rôle progressiste à jouer. Et donc, c'est avec cette idée qu'il est dans le parti et qu'il est vice-ministre. En 23, il a passé du côté de l'Occident en Belgique. Il a été en mission ici, il est passé de l'autre côté. Et ici, il a publié un livre qu'il a écrit juste après sa défection, qui est publié par le Centre international de la lutte active contre le communisme. Et donc là, vous avez en long et en large expliqué que l'Union soviétique vit maintenant dans l'esclavage et la terreur, et que des flots de sang humain coulent chaque semaine. Donc vous avez l'image du stalinisme, mais on est toujours sous Lénine. C'était un vieux bolchevique. Et donc vous pouvez lire son ouvrage, c'est très intéressant. Là, vous voyez les influences de l'idéologie social-démocrate, même parmi les dirigeants du parti bolchevique. Et vous voyez un type qui, déjà en 23, passe du côté de la pire réaction. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'il y a eu des éléments dégénérés qui sont devenus contre-révolutionnaires dans le parti. Et donc là, je veux parler de Trotsky, qui est la figure la plus marquante de cette tendance. J'ai déjà dit qu'il n'a jamais été bolchevique jusqu'en 1917. En 17, il est entré dans le parti, et en fait, il a gardé toute son idéologie anti-léniniste qu'il a développée depuis 1902-1903. Et très vite, il a commencé une polémique pour dire qu'en fait, c'est lui qui a vu le plus clairement les perspectives de la révolution. Et donc, il a essayé de remplacer le léninisme par le trotskisme. Il n'a presque pas eu de soutien dans le parti. Donc, il y a eu un débat qui a duré 5 ans. Après 5 ans, il a eu quelques pourcentages dans les votes. Et une fois qu'il a été renvoyé du parti, sa dégénérescence a été très vite. Je vais seulement dire quelques points clés qu'il faut absolument connaître pour juger le personnage. Donc, on commence déjà en 1934, donc c'est assez tôt. En 1934, il a une thèse qui est extrêmement intéressante à méditer. Donc, il dit ceci, la victoire de Hitler a été provoquée par la politique criminelle de l'Internationale communiste. Sans Staline, il n'y aurait pas eu de victoire de Hitler.
Donc c'est le communisme, c'est Staline qui sont responsables de l'arrivée au pouvoir de Hitler. Alors, conclusion, pour renverser Hitler, il faut... Vous pensez maintenant, comme vous connaissez les trotskistes, qu'il faut faire un front uni large avec la social-démocratie, etc. C'est ce à ça que vous vous attendez. Pour renverser Hitler, il faut en finir avec l'international communiste. Donc il faut détruire l'international communiste pour être en mesure d'en finir avec Hitler. 2 ans plus tard, vous avez ceci. La guerre s'approche, on est en 1936, donc tout le monde parlait de la guerre à venir. La bureaucratie stalinienne est effrayée par la perspective de la guerre parce qu'elle sait mieux que nous qu'elle ne survivra pas à la guerre en tant que régime. Donc, première idée, s'il y a la guerre avec les nazis, de toute façon, Staline et sa clique, le parti bolchevique dirigé par la clique stalinienne, va tomber. Et ils le savent. On continue le raisonnement, citation, Berlin, donc les nazis, Berlin sait à quel degré de démoralisation la clique de Staline a entraîné l'armée et la population. Staline continue à saper la force morale et la résistance du pays. Ces carriéristes sans honneur ni conscience vont trahir le pays dans les moments difficiles. Donc, depuis 1936, il fait la propagande pour dire que le peuple est démoralisé. Staline mine la force morale, il mine la résistance. Staline et les siens vont trahir dès le début. Donc, il faut, quand vous avez en face de vous une guerre avec des fascistes, il faut faire cette propagande. Hein. Il faut dire, de toute façon, c'est foutu, ils vont trahir, ils vont s'en courir dès le premier moment, ces gens-là. Alors, on continue. Quelles sont ces conclusions? Il y en a 2. Donc, il faut détruire la clique de Staline. Il y a 2 méthodes pour le faire. 1, tu peux lui tirer une balle dans la tête. 2, tu peux organiser une insurrection des masses pour renverser le parti bolchevique. D'abord, la balle dans la tête. Nous sommes maintenant en 38. Staline détruit l'armée et piétine le pays. La haine s'accumule autour de lui, implacable. Et une vengeance terrible est suspendue au-dessus de sa tête. Un attentat, c'est possible que ce régime, qui a exterminé les meilleures têtes du pays, appelle finalement contre lui la terreur individuelle. On peut ajouter qu'il serait contraire aux lois de l'histoire que les gangsters staliniens au pouvoir ne soulèvent pas contre eux la vengeance de terroristes désespérés. Donc Trotsky, il dit qu'il fait de la conspiration, qu'il faut travailler de façon conspirative dans le pays des soviets. Donc dire que un attentat contre Staline est dans la logique de l'histoire, que c'est possible qu'il va appeler finalement contre lui la terreur individuelle. Ce serait même contraire aux lois de l'histoire s'il n'y a pas des gens pour se lever et tirer une balle dans la tête de Staline. Donc ça s'appelle faire la propagande pour des attentats individuels. Puis il y a la propagande pour des insurrections pour renverser le pouvoir bolchevique et le parti de Staline. Il dit ceci textuellement, « Seule une insurrection du prolétariat soviétique contre l'infâme tyrannie des nouveaux parasites peut sauver ce qui subsiste encore des conquêtes d'octobre. » Je tire votre attention sur les mots, l'infâme tyrannie des nouveaux parasites. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui lisent avec plaisir la presse fasciste. Mais donc, quand vous avez le langage des fascistes contre le communisme, c'est à peu près ça. L'infâme tyrannie des nouveaux parasites. Et donc, ici, on dit textuellement que pour sauver le pays, et pour sauver ce qu'on peut encore sauver de la révolution socialiste, il faut d'abord faire une insurrection du prolétariat pour renverser Staline et le parti. Et la même chose est répétée à un autre endroit. Il dit « La quatrième internationale va mener les masses soviétiques vers l'insurrection. Les ouvriers, les paysans, les soldats de l'armée rouge et les marins de la flotte rouge
se dresseront contre la nouvelle caste d'oppresseurs et de parasites. Donc il appelle l'armée, la flotte, les ouvriers, les paysans à se soulever. Donc pour celui qui fait de la politique, ça s'appelle être un provocateur au service des nazis. Le troisième facteur dont je veux parler, dans le, qui se trouve dans le parti, donc il y a des tendances social-démocrates, il y a des éléments dégénérés contre-révolutionnaires. Trois, il y a des ennemis qui se sont infiltrés consciemment dans le parti. Ici, vous avez, je vais pas m'attarder, mais vous avez Boris Bajanov. Il avait 19 ans quand la révolution éclate. Il écrit en 1930 qu'à 19 ans, il a compris qu'il n'y avait pas moyen de combattre le bolchevisme de façon ouverte. Et que la seule façon de le combattre, c'était de l'infiltrer et de le détruire de l'intérieur. En 4 ans, le jeune Boris est arrivé au bureau politique du parti bolchevique. Il n'était pas membre, mais il était le secrétaire de Staline. Et comme secrétaire de Staline, il prenait les notes du bureau politique. Ça dit quelque chose sur la situation de l'époque. Mais vous avez un anticommuniste qui s'affirme anticommuniste, qui dit qu'il va entrer pour le détruire, qui est en 4 années au bureau politique. Autre exemple, dans le livre que John Scott, un Américain qui a travaillé à Magnitogorsk, écrit, il donne une scène où il y a un directeur d'une usine qu'à Magnitogorsk, il découvre son passé. Parce qu'il y a un autre ex-paysan qui vient de l'Ukraine, d'où vient le type Chevchenko, et qui dit, mais celui-là, je le connais. Pendant la guerre civile, il était gendarme chez les Blancs. Donc c'était un ancien koulak, un ancien gendarme, qui avait lutté par les armes à la main contre les bolcheviks, et qui s'était aussi reconverti en bolchevique. Il était très dynamique. Pour se reconvertir en bolchevique, tous les contre-révolutionnaires avaient une piste bien claire. Ils quittaient la campagne et ils entraient dans les usines ou sur les chantiers. C'est-à-dire, ils devenaient ouvriers. Et après 2 ans, ils étaient ouvriers. Et l'ouvrier était bien vu. Et ouvrier cultivé, ouvrier dynamique, il est entré dans l'université des directeurs rouges. Donc des ouvriers capables, on les a envoyés dans une université spéciale pour devenir directeur d'entreprise. Comme ça, il est devenu directeur des entreprises socialistes. Il est entré dans le parti, bien sûr. Troisième exemple, c'est l'organisation de Tokayev. Tokayev était un colonel de l'armée rouge. Il a écrit un livre quand il est passé en Occident en 1948. À 22 ans, il était membre d'une organisation anticommuniste clandestine opérant dans le parti et dans l'armée rouge. Et donc, pour ceux qui disent que quand même Staline, il a exagéré, et c'était de la folie ce qu'il a fait, il faut lire ce livre-ci. Donc, il est anticommuniste, il est passé à l'Occident, et il explique sa lutte. Il parle de quelques dizaines, de plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de l'armée rouge, dont le numéro 2 du département de politique, Osepian, le général Osepian, qui était à la tête de son organisation. Et donc il dit comment ces officiers, ces généraux, ces colonels se réunissent, organisent des manœuvres, des complots, préparent des attentats, préparent des insurrections. C'est ça leur travail. Pendant les épurations, presque toute son organisation va être prise et fusillée. Ils seront fusillés avec les militaires autour de Tukhachevski. Donc Tukhachevski était un ancien général de l'armée rouge, de l'armée tsariste, qui est devenu le chef de l'armée rouge, qui était un militaire très capable, mais qui est devenu un réactionnaire et un bourgeois. Et autour de Tukhachevski, on a vu se regrouper dans l'armée toutes sortes d'éléments contre-révolutionnaires. Et ce qui est fantastique à ce livre, c'est que tu as quelqu'un qui, de l'intérieur, défend ce qu'il a fait et qui vous donne un tableau extrêmement saisissant de l'activité des anticommunistes à la tête de l'armée. Alors, ces anticommunistes à la tête de l'armée et à la tête du parti, leur chef était membre du comité central. C'était un militaire membre du comité central. Il l'appelle Comrade X. On n'a pas trouvé qui c'est faisable, mais il faut du temps. Alors, ces gens étaient en liaison avec, et c'est la quatrième catégorie, les opportunistes qui étaient dans le parti.
Et les opportunistes, c'est essentiellement Boukharine. Boukharine a été critiqué pour ses déviations sociodémocrates depuis 28. Mais Staline l'a laissé à la tête du parti. On dit souvent que Staline, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait des divergences, on le mettait à la porte et on le fusillait. Tout ça, c'est des bêtises. Boukharine, il a fait des erreurs monumentales dans le domaine politique, mais il est resté à la tête du parti. Il a été critiqué en 28, en 29, au début des années 30. Et donc, il n'a été arrêté au moment où c'était prouvé que Boukharine, à la tête du parti, maintenait des liaisons avec les comploteurs militaires. Et donc ça aussi, c'est exprimé dans le livre de Tokayev, leur liaison en tant que groupe de conspirateurs anticommunistes avec les fractions opportunistes du parti. Önukidze, Boukharine et beaucoup d'autres. Alors, cette coalition de quatre forces menaçait directement la nature révolutionnaire du parti. Et dans une crise grave, ces quatre forces pouvaient renverser la direction du parti. Il faut savoir aussi que les Allemands ne chômaient pas non plus. Les Allemands ont infiltré leurs gens, ont recruté des agents en Belgique, en France, par centaines et par milliers. Quand ils sont arrivés ici, tout à coup on a vu qu'ils avaient les gens partout, dans tous les échelons. Donc ils avaient bien préparé leur agression. Or, Hitler, il parle depuis 25 que l'objectif numéro un, c'est l'Union soviétique dans Mein Kampf. Donc on peut présumer que l'effort pour infiltrer, pour recruter en Union soviétique a été beaucoup plus considérable encore que ce qu'il a été chez nous. Et donc la cinquième colonne et les gens qui étaient liés à la cinquième colonne étaient plus importants en Union soviétique que chez nous. Or, dans les épurations, c'est cette cinquième colonne qui a été exterminée. Il n'y a pas eu de cinquième colonne en Union soviétique. Et c'est pour ça que l'Union soviétique, dans une situation qui était tendue à l'extrême, a pu de justesse tenir le coup. Mais maintenant, on pense que c'était évident que l'Union soviétique résisterait et gagnerait la guerre. Ce n'est pas du tout si évident. Donc il y a eu des moments extrêmement dramatiques. Et donc, s'il n'y avait pas eu l'épuration, si une partie de la cinquième colonne s'était maintenue, on peut penser que l'Union soviétique aurait pu chuter. Le huitième point que je vais parcourir en vitesse, le neuvième point, excusez, c'est la contribution décisive de Staline à la guerre antifasciste et à la victoire contre le fascisme. Donc, sans Staline, le fascisme aurait été, sans Staline et sans l'Union soviétique, le fascisme aurait été vainqueur dans le monde entier. Il n'y a aucune force qui aurait pu être en mesure de le détruire. L'apport essentiel de Staline à la guerre antifasciste, on peut le situer à au moins quatre niveaux. Je vais simplement parcourir. D'abord, la préparation économique. Si l'Union soviétique n'avait pas une industrie moderne réalisée dans un tempo forcé, il n'aurait pas su résister. Joukov, il a écrit ses mémoires et ça vaut la peine d'être étudié. Parce que Joukov était un anti-stalinien. C'est Joukov qui a fait le coup d'État de Khrouchtchev. Donc quand il fait ses mémoires en 70, c'est une source qui n'est pas suspecte d'être favorablement préjugée envers Staline. Il était le plus important des anti-staliniens dans l'armée et l'allié principal de Khrouchtchev. Mais donc, dans ses mémoires, il dit « On doit avouer que Staline a tout fait ce qui était humainement possible pour réaliser les bases économiques, pour édifier les bases économiques qui nous ont donné la possibilité de construire plus de 100 000 chars modernes et plus de 130 000 avions de combat modernes. Il faut aussi savoir que dans les 3-4 années avant la guerre, à partir de 1938, l'industrie a une croissance de 13%, mais l'industrie militaire a une croissance de 44%. Donc l'industrialisation forcée continue, mais donc on force vraiment à la limite du possible dans le domaine militaire. Donc tous ceux qui disent que Staline n'a pas vu venir les Allemands, qu'il avait confiance en Hitler,
C'est de la propagande de ceux qui étaient de l'autre côté. Deux, Staline a préparé la guerre et la victoire contre les fascistes dans le domaine de la diplomatie. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, Staline elle était le seul qui en a tiré les conclusions. Il a proposé à la Tchécoslovaquie, à la France, un pacte contre les fascistes. La Tchécoslovaquie et la France ont conclu des accords en 1935. En 1938, Hitler prend l'Autriche. Et alors la France et l'Angleterre et l'Italie fasciste et Hitler se réunissent à Munich. Ils laissent l'Union soviétique en dehors et ils décident en fait de liquider la Tchécoslovaquie. Et donc on laisse Hitler prendre la Tchécoslovaquie. Donc on le pousse dans la direction de l'Est. La France avait un pacte, un accord avec Staline, avec l'Union soviétique. Et donc le Munich, c'est un virage de la France, d'une union avec l'Union soviétique contre le fascisme, avec Hitler, pour le pousser dans l'Est. Cette politique a continué. Et donc les Anglais et les Français pensaient qu'ils pouvaient diriger l'expansionnisme allemand contre l'Union soviétique. Et donc Staline n'était pas dupe. Staline a négocié en 1939 avec les Français et les Anglais, très bien sachant ce qu'ils avaient en tête. Donc c'était un homme extrêmement lucide. Et donc quand il a négocié jusqu'à la dernière minute pour qu'il y ait un accord concluant, pour que s'il y a guerre avec l'Allemagne, tous entrent en même temps en guerre. Parce qu'il voulait des garanties que si Hitler fait la guerre avec l'Union soviétique, les autres, qu'il va y avoir un pacte réel. Et donc, les Anglais et les Français ont refusé. On savait déjà à ce moment-là que Hitler commencerait la guerre dans les mois à venir. On ne savait pas encore est-ce qu'il va commencer à l'Est ou à l'Ouest. Et donc, c'est à ce moment-là que Staline a fait le pacte entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et ce pacte a eu une influence décisive pour l'ensemble de la guerre. D'abord, le pacte a brisé le complot entre tous les impérialistes, les fascistes, les Anglais et les Français, pour détruire avant tout le bolchevisme. Deux, le pacte a donné le temps, une année et demie, pour préparer à une intensité maximale la préparation militaire et politique de l'Union soviétique. Trois, le pacte a donné la possibilité d'avoir un front réel antifasciste. Parce qu'avant, les Anglais et les Français refusaient. Mais comme Hitler a commencé la guerre à l'Ouest et que les Anglais et les Français étaient déjà en guerre officiellement avec les Allemands, quand ils ont attaqué l'Union soviétique, il y avait la possibilité de faire un front antifasciste. Et quatrièmement, ce qu'on ne sait souvent pas, le pacte avec les Allemands a été fait aussi avec les Japonais et il a duré jusqu'à la fin de la guerre. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a eu une guerre entre l'Union soviétique et le Japon en 1939, mais avec le pacte germano-soviétique, il y a eu aussi le pacte avec les Japonais et les Japonais sont restés en dehors de la guerre contre l'Union soviétique. Si toute la force militaire japonaise s'était jetée sur la Sibérie, la situation de l'Union soviétique aurait été beaucoup plus difficile encore. Alors, après le pacte, Hitler et les Anglais et les Français sont officiellement anglais en guerre. Mais ils ne tirent aucune balle. Ça s'appelle la drôle de guerre. Il y a la guerre, mais ils sont là. Septembre, octobre, novembre, décembre, ils ne font rien. En décembre, l'Union soviétique, après des négociations avec la Finlande qui ont échoué, attaque la Finlande. Parce qu'ils savaient très bien que la Finlande et Hitler avaient un accord pour, au moment où la guerre commence contre l'Union soviétique, pour marcher ensemble. Or, les Finlandais étaient à 2 kilomètres de Leningrad. Et donc, les négociations étaient que l'Union soviétique récupère une partie du territoire devant Leningrad pour être en mesure de défendre Leningrad. Et en échange, les Finlandais recevaient un territoire qui était 5 fois plus grand. Mais comme leur point n'était pas d'aider l'Union soviétique dans une guerre contre les fascistes, ils ont refusé.
Alors l'Union soviétique a réglé le problème par les armes, parce qu'il savait que la guerre viendrait et que Leningrad était indéfendable. Et donc ils ont refoulé l'armée finlandaise. Alors les Français et les Anglais se sont mobilisés contre l'Union soviétique. Weygand a été envoyé en Turquie. Il a préparé le bombardement des champs pétrolifères de Bakou. Il y a un général français qui a écrit un livre en 40, début 40, pour dire que si on bombarde les champs de Bakou, on donne 2 mois à l'Union soviétique avant la capitulation totale devant la France. Ils ont envoyé 700 avions de combat, 1500 canons, les Français 50 000 troupes, les Anglais 100 000 troupes qui étaient mobilisés et prêts à partir pour aider les Finlandais contre les Rouges. La guerre a pris fin en mars. Mais donc, il faut savoir ça, que quoique les Anglais et les Français étaient officiellement en guerre contre l'Union soviétique, la seule guerre qu'ils ont essayé de faire, c'était celle contre les Rouges. Et donc, la possibilité d'un nouveau pacte entre l'Angleterre et la France et Hitler contre les Rouges était toujours possible au début de 40. Alors, le troisième mérite de Staline dans le domaine militaire, c'est qu'il a victorieusement dirigé la résistance et la contre-offensive contre les fascistes. Donc, en général, chez nous, la propagande, c'est qu'il n'a pas bien préparé, il n'a pas vu venir le jour. Au départ, c'était la pagaille. Ce qu'il faut souligner, c'est que, bien sûr, c'était une attaque surprise et ça ne pouvait pas être autrement. L'agresseur peut toujours surprendre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dès la première minute, les gens se sont battus jusqu'à la mort. Donc toutes les liaisons avec Moscou étaient coupées. Donc les gens n'avaient pas d'instruction de la direction de l'armée. Mais toutes les unités se sont battues jusqu'à la mort. Ils étaient encerclés, mais ils ne se rendaient pas. Et c'est la première fois que les nazis ont vécu ça. Et leur avancée en Union soviétique a été freinée dès le premier jour. Après un mois et demi, ils étaient devant Smolensk, la plus grande ville sur la route. À Smolensk, ils ont été retardés pendant 2 mois. Et pour la première fois, ils ont eu une défaite de taille. Ils ont perdu 250 000 hommes. Ça dépasse de loin de tout ce qu'ils ont perdu dans les guerres avec la France, la Belgique, la Hollande, etc. Et alors, après 5 mois, ils sont devant Moscou. Et donc les nazis, dans la publicité, dans les cinémas chez nous, ils avaient déjà annoncé la prise de Moscou. Ils ont arrivé jusque dans les faubourgs. Mais donc le 7 novembre, les nazis devant les portes, Staline a fait un défilé militaire, comme tous les ans, sur la place Rouge, et il a fait un discours sur la place Rouge, qui a été transmis par radio dans toute l'Union soviétique. Et donc c'est un discours qui a galvanisé la population. Parce que c'était un défi, ils étaient devant la porte et le type osait faire un défilé sur la place Rouge et parler sur la place Rouge et dire que les fascistes perdraient la guerre et que l'Union soviétique libérerait non seulement son pays, mais qu'elle aiderait à libérer tous les pays opprimés de l'Europe. Et de la place Rouge, les troupes sont entrées vers la ligne de front. Et en même temps, les soviétiques retiraient toutes les réserves qu'ils avaient en Sibérie et ailleurs, derrière Moscou, et ils préparaient une contre-attaque. Et en décembre, ils ont contre-attaqué. Et la première fois dans leur histoire, les nazis ont été refoulés de 200 à 300 kilomètres. Et là, ils ont perdu 500 000 hommes. Et en fait, c'est le tournant de la guerre, c'est la bataille de Moscou, après 6 mois de guerre. Après, les nazis sont revenus dans l'été suivant. Ils ont été battus devant Stalingrad. Et après Stalingrad, c'était sûr que l'armée rouge seule allait gagner la guerre contre les fascistes. Et c'est à ce moment-là que Mitterrand est parti des fascistes pour rejoindre la résistance française. Et alors, la quatrième chose qu'il faut souligner, c'est que Staline a fait preuve des capacités militaires les plus extraordinaires pendant cette guerre. Donc, la façon dont il a dirigé la guerre la plus complexe de l'histoire, donc ils ont dû prendre à la direction du parti et de l'État, sous la direction de Staline, 10 000 décisions. Donc c'était un rythme de travail et d'une complexité phénoménale. Alors dans les différents livres des militaires qui sont même anti-staliniens en Union soviétique, tous ont dû reconnaître que sans la direction de Staline, l'armée n'aurait pas gagné la guerre.
Et vous pouvez trouver la même chose dans les mémoires de Harriman. Donc Harriman, c'est un diplomate américain assez connu qui était l'envoyé des États-Unis auprès de Staline pendant la guerre. Et donc, c'est un anticommuniste rabia, mais il dit « Staline était mieux informé que Roosevelt. Il était plus réaliste que Churchill. Et il était le dirigeant le plus efficace dans cette guerre. » Et donc, pour avoir ça comme bilan d'un ennemi, c'est assez significatif. Et alors, le dernier point que je mentionne brièvement, le dixième point, c'est que Staline a impulsé d'une façon déterminante le processus révolutionnaire, la lutte pour le socialisme dans le monde entier. C'est grâce à la victoire contre le fascisme qu'il a pu aider les forces socialistes en Europe de l'Est pour réaliser la révolution socialiste en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans les autres pays. Grâce à la défaite contre l'armée qu'il a imposée à l'armée japonaise en Chine, il a pu aider de façon déterminante les partisans communistes en Mandchourie et donc précipiter la victoire de la guérilla de Mao Tse-tung en 1949. Il a impulsé la lutte au Vietnam, en Corée, dans toute l'Asie. Donc, le socialisme est devenu un système mondial. Et deux, le mouvement anti-impérialiste, le mouvement anti-colonialiste, après la guerre contre le fascisme, a pris une ampleur mondiale. Donc, j'ai fait un livre sur Mulele. Il était à l'école en 1944-1945. Et donc, même au Zaïre, les élèves qui étaient anticolonialistes suivaient la progression de l'armée rouge. Donc, ça a stimulé le sens de l'indépendance jusque dans la brousse du Congo belge. Et alors, troisième aspect, Staline a mené la lutte anti-impérialiste contre la nouvelle menace pour la paix mondiale, les Américains, de façon tout à fait conséquente. Et donc, Staline a très bien compris que l'impérialisme américain, après 1945, continuerait le travail des nazis. Il y a un livre qu'on ne peut que conseiller à lire qui a été publié par un Américain qui s'appelle Blowback. C'est écrit par un type qui s'appelle Simpson. Et il a fait un livre de 400 pages qui relève tous les fascistes allemands, croates, ukrainiens qui sont passés aux États-Unis. Il y en a plus de 10 000. Et donc parmi eux, les plus grandes têtes du parti nazi. Donc, on parle de Nuremberg et que les Américains ont aidé à dénazifier l'Allemagne et qu'ils ont combattu le fascisme. Tout ça, c'est des blagues. Le numéro un des services d'espionnage des fascistes en Union soviétique. Donc, c'est lui qui a dirigé toutes les campagnes en Union soviétique. Le général Gehlen est entré au service des services secrets américains en pleine guerre, en 1944. C'était le premier qui était cherché en Union soviétique. Il devait être livré aux soviétiques et il serait pendu immédiatement. Il s'est rendu aux Américains et les Américains l'ont immédiatement transporté à Washington. Là, il a fait un accord avec Alan Dulles, le chef des services secrets qui va diriger la CIA. Et il est revenu en Allemagne pour travailler pour les Américains. Mais comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de chefs de fascistes qui l'ont fait. Pour en nommer quelques-uns. L'adjoint de Eichmann, qui est l'exterminateur des Juifs, il s'appelle Alois Brunner. Donc, d'après les statistiques, lui, il est personnellement responsable pour l'extermination de 130 000 Juifs. Eh bien, il devient un agent de la CIA au Moyen-Orient au début des années 50. Klaus Barbie, un des assassins les plus cherchés en France, il a disparu. Et il est au service de la CIA à partir de 1952. Il a fait toute sa carrière au service de la CIA jusqu'à ce qu'il a été arrêté. Et son procès a eu lieu il y a quelques années. Et donc là, ça a été public que le type travaillait pour la CIA. En Belgique, il y a un type qui a été condamné à mort, un fasciste flamand, Verbeelen, Robert Verbeelen. Il est entré au service secret américain en Autriche à la fin de 1944. Le chef du service secret de la SS, donc la division la plus terrible, Walter Schellenberg, après la guerre est devenu un agent des services secrets anglais. Et donc vous pouvez faire la liste, il y a des dizaines et des dizaines des plus grands généraux qui sont entrés au service des Américains.
Et toute la campagne anticommuniste qui a été menée en Occident à partir des années 50 a souvent été menée, organisée, écrite par les spécialistes de la guerre anticommuniste qui ont travaillé pour les nazis. Donc ce sont les 10 mairies de Staline qui non seulement ont bouleversé le monde, mais qui doivent inspirer aujourd'hui les masses opprimées de chez nous et du tiers-monde qui luttent contre un ennemi, l'impérialisme aujourd'hui, qui est aussi féroce que l'impérialisme allemand. Les tueries qui sont organisées maintenant par l'impérialisme en crise dépassent parfois les horreurs que Hitler a causées. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc, pour se libérer de cet impérialisme barbare et inhumain, comme le disait Mao Tse-tung en 1936, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie que Staline a montrée à l'humanité. Merci. Pour le reste, c'est raté. Hein. C'est assez connu dans les milieux fascistes même. Par exemple, De Grel a fait un texte, même dans les années 70, je crois que c'était dans le livre, je ne me rappelle plus. Donc, où il disait qu'en Union soviétique, il y avait un type qui avait la carrure pour réaliser l'unité de l'Europe. Et donc, il le compare à Napoléon qui a essayé de faire l'unité européenne et qui insisterait le prédécesseur de Hitler, qui lui aussi a essayé de faire l'unité européenne. Donc leur contenu politique. Alors le contenu politique, la ligne principale des opportunistes en Union soviétique dans les années 30, bon, il y avait les trotskistes qui étaient bien. Vous voyez qu'il y a des alliances qui se nouent. Et comme preuve, l'histoire a refait cela. Parce que les Boukhariniens sont arrivés au pouvoir avec Khrouchtchev. Khrouchtchev, c'est en fait la réhabilitation de toutes les thèses de Boukharine. Et comme la campagne contre Boukharine avait été bien menée, il n'osait pas le réhabiliter tout de suite. Mais plus tard dans ses mémoires, il dit que c'est une erreur. Il aurait dû réhabiliter Boukharine dès le début. Finalement, Boukharine, ses idées étaient réhabilitées, parce que ses idées étaient appliquées par Khrouchtchev et les autres. Mais il a été officiellement réhabilité, et on a dit que c'est un vrai bolchevique, un vrai communiste qui a été abattu à titre injuste par Staline, en 88. Et donc, en fait, et donc ça doit vous faire réfléchir à la lutte de classe dans les années 30. Moi, je n'ai pas lu votre livre, j'ai seulement regardé un peu, j'ai lu un passage, j'ai lu la bibliographie. Quoi. Mais je ne sais pas, ça c'est une question un peu à faire, mais s'il y a moyen d'avoir accès à ces archives, avoir accès aux archives soviétiques, parce que c'est uniquement des livres que vous avez pris comme bibliographie, vous n'êtes pas... Bon, nous, on peut seulement retourner aux documents qui sont traduits en allemand, en anglais ou en français. Mais donc, c'est déjà une masse colossale. C'est déjà une masse colossale. Et ça suffit, avec des sources qui sont disponibles en Occident, pour avoir une image qui est juste le contraire de la propagande journalière qu'on a en Occident. C'était à propos de la période de tout au début, quoi. Vous avez dit qu'un Trotsky considérait qu'il était impossible de construire le socialisme dans un seul pays. Donc, il voulait faire la révolution dans un autre pays. Et donc, il faisait preuve de défaitisme. Ils sont encore dans l'esclavagisme ou dans la féodalité? C'est le prolétariat. Donc, du temps de Marx, il n'y avait rien pour faire une révolution socialiste ailleurs qu'en Europe. Donc, c'est clair que raisonnant sur les données, il dit que la révolution socialiste va se faire ici. Mais quand le capitalisme, ici, se transforme en impérialité pour deux raisons. Un, parce que la révolution ici est rendue moins possible parce que le capitalisme a des surprofits qui lui permettent de corrompre une partie de la classe ouvrière.
Et donc, ils tirent beaucoup de profit qui leur permettent de corrompre et donc d'éviter une insurrection ici. Et deux, il y a maintenant une misère extrême en Chine, en Inde, et il y a une classe ouvrière, et il y a un mouvement communiste. Et donc, c'est à ce moment-là que dans les luttes qui se sont menées au niveau mondial, le pays qui était le plus faible du point de vue capitaliste, du point de vue de la force de la bourgeoisie, disons, et de sa capacité de corrompre les ouvriers, c'était la Russie. Et c'était aussi le pays qui avait la classe ouvrière à la tradition la plus révolutionnaire. Et donc c'est là que ça a sauté. Par rapport à l'Allemagne,